Eh bien, Claudiane, ma femme, et puis moi-même, Frédéric, heureux propriétaire des gîtes du presbytère à Bois-Trudant. Nous pouvons vous accueillir la semaine comme le week-end, sur plein d'endroits disponibles, plusieurs gîtes, plusieurs capacités. Une salle de réunion. Donc, on peut vous accueillir pour simplement des nuits de passage. Des vacances. Pour des vacances, pour des séjours que nous proposons autour de l'autonomie alimentaire et d'activités plus ludiques, comme la découverte du jardin, la découverte de l'élevage. On propose également une salle de séminaire pour simplement une réunion, mais pour aussi une réunion avec des ateliers autour du four à bois, de la fabrication de pain, de pizza. De fromage et d'objets insolites. Voilà. Ce qu'on propose dans le séjour expérience, c'est de vivre en autonomie alimentaire sur plusieurs domaines, donc notamment la production de légumes, de fruits, de viande, de pain, de fromage. Vraiment faire voir aux gens que c'est accessible. On le fait en mode ludique et on s'en sort très bien. Depuis 15 ans, nous n'achetons pas de fruits, pas de légumes, pas de viande. Depuis 7-8 ans, on produit l'ensemble du pain que l'on mange. Après, on s'interdit bien évidemment pas l'achat de bière ou de cacahuètes pour l'apéro. Mais l'idée, c'est que tout ce qu'on peut produire, on ne l'achète pas. Tout ce qu'on achète, on l'achète localement. Et aussi montrer aux gens que c'est possible avec un petit jardin. Parce qu'en fait, le potager n'est pas si grand que ça et on a nourri une famille de 4 personnes sans problème avec un tout petit potager. Voilà. Exactement. Mmh. Bonjour, bienvenue à Enigma Park. Donc, je suis Christiane. Je suis Eric Grosbois. Eric Grosbois. Et donc, nous vous invitons dans notre parc de loisirs qui a été à l'origine d'un grand mouvement qui s'appelle les Escape Games. Mais ici, on est vraiment sur 12 univers et chaque visiteur visite les 12 univers. Au travers de cette aventure, il doit délivrer un petit personnage, Albert Enigmus, d'un sortilège qui le retient prisonnier. Eric, parle-nous un petit peu des décors. Effectivement, 12 parcours thématisés complètement différents. Autant on peut partir en Asie, on peut rester dans la partie celte, on peut aller en Égypte antique, on peut revisiter toute la partie qu'on appelle nous Arcadia, les jeux d'arcade. Enfin, 12 thèmes complètement différents pour une aventure un peu extraordinaire qui va durer entre 3 et 4 heures. Et tout est peint à la main, donc c'est aussi dans notre ADN. Aux deux mains, je précise. Quand c'est possible. Et donc le parc, en fait, tout est conçu par l'équipe Enigma Park, qui est une équipe familiale. Et donc on crée nos décors, nos jeux dans nos ateliers ici. Tout est made in Enigma Park. Donc vous imaginez en arrivant à Enigma Park que vous rencontrez la personne d'Albert Enigmus qui est dans sa librairie. Cette librairie est étrange, c'est presque un traquenard. Et il s'y trouve en fait une vieille sorcière qui s'appelle la Grignouze. Mais évidemment, Albert Enigmus ne sait pas que c'est la Grignouze. Et elle lui offre en gift de bienvenue un grimoire. Mais ce grimoire est ensorcelé et il va être aspiré à l'intérieur. Et vous êtes ici aujourd'hui pour essayer de le délivrer de ce sortilège. Pour cela, vous allez donc parcourir 12 univers différents qui correspondent aux pages du grimoire. Et dans chacune des pages, vous devrez vous orienter, trouver les réponses aux énigmes pour, je l'espère,
à la fin prononcer les mots magiques et délivrer Albert Enigmus du sortilège. Et surtout quelques indices pour vous aventurer dans les tréfonds des résolus. Bonne chance à vous. Donc Ludovic, on a ouvert ici il y a 2 ans à Bois-Trudant. L'histoire elle est partie qu'on avait un commerce multiservice qui faisait bar, épicerie et poste qui a fermé du jour au lendemain. Et donc avec ma femme on s'est dit qu'on allait reprendre ça un petit peu sur le coup de la rigolade. On l'a fait quand même. Là ça va faire 2 ans qu'on est ouvert et ça a redonné vachement de vie à Bois-Trudant qui était vraiment, vraiment dortoir en fait quoi. Il n'y avait plus aucun commerce, il ne restait plus qu'un garage et les gîtes du coup. Maintenant, depuis, on travaille beaucoup ensemble, on essaie de redynamiser au maximum. Avec l'égide du presbytère de Bois-Trudant et Enigma Park aussi, que vous avez été visiter tout à l'heure. Donc, quand ils ont besoin, selon la clientèle qu'ils ont, on leur livre des repas, selon la demande de la clientèle. On leur livre des petits déjeuners aussi. Et on s'est mis en association aussi pour recréer des marchés au sein de la commune. Seul en cuisine, jusqu'ici, j'avais ma femme qui était en service. Et maintenant, en fait, on a 2 salariés. On a une serveuse la semaine et on a un barman le week-end. Donc du coup là on est sur la petite parcelle, ça va être plus des fleurs aromatiques et médicinales pour faire des tisanes, ouais. Des tisanes, des infusions, ouais. Des baumes aussi. Du fait qu'il n'y ait aucun traitement de engrais chimiques, quoi que ce soit, du coup ça fait travailler les insectes auxiliaires. En fait recréer un maximum, une biodiversité, un petit écosystème pour que tout reste le plus naturel possible et s'équilibre au mieux en fait. Donc ça c'est la petite serre, première serre en fait, où on faisait des petits essais dedans. Donc ça c'est du compost de déchets verts qui est en surface. C'est pas la terre qui est à nu. Ça a l'avantage de réchauffer le sol plus rapidement au printemps que la paille ça tient vraiment au frais. Et puis on irrigue à peu près 4 fois par mois peut-être en pleine saison. Là, c'est de la menthe. Il y a 3 variétés de menthe, je crois. Menthe poivrée à gauche, menthe marocaine à droite. Juste au milieu, c'est de la menthe bergamote. On vend directement, ouais. Directement, ouais, des marchés, des gens qui commandent un peu de panier, des fois, qui viennent les retirer à la maison. On travaille aussi avec le Château des Pères à Pierre-sur-Sèche, un restaurant gastronomique. On travaille qu'avec des graines paysannes, pas de hybride F1. Du coup, c'est des graines qui sont reproductibles en fait, tout simplement. Donc c'est important de travailler avec ça. Enfin, nous, on trouve ça important en tout cas. On refait de vos propres graines. Et après, ouais, on essaye de récupérer nos graines aussi, ouais. Ouais, bah j'en ai récolté tout à l'heure, on en mangera. Donc là, les pizzas, elles vont être juste avec ce qu'on a sur place. Donc on a de la ratatouille qu'on a fait l'année dernière, qui est en bocaux, on l'a broyé, du fromage qu'on a fait, des capres qu'on a ramené de Sicile. Et après, si on a du persil, on met du persil, si on a des... si on a des courgettes, on met des courgettes, voilà. Je sais pas faire comme font les pizzaiolo, enfin je sais faire, mais ça prend très longtemps.
Alors moi ce que j'aime bien c'est la préparer à plat et après je les tire au tout simplement au rouleau. Et après je vais servir au centre le fond et je vais étaler sur la largeur de trottoir que je veux. Après donc du coup c'est des bases fromage, alors c'est du fromage maison. C'est juste un fromage qui est assez fort et assez salé. Des capres qu'on va acheter directement au producteur. Et après, comme c'est un fromage un peu fort, on finit avec un fromage un peu industriel. Mais pour ma part, je préfère. Donc je m'appelle Arthur-Louis Aigneret, je suis un artiste urbain rennais. Je suis présent sur le territoire depuis 2019, sur 2 ans en fait, pour une résidence mission avec Electronica, une association rennaise également. Je réalise des fresques, je fais aussi des ateliers, il y a des temps d'exposition avec des œuvres aussi que j'ai montrées sur le territoire, notamment une à Bois-Trudan, ici devant la bibliothèque. C'est des fresques que je réalise à la peinture de marquage routier. Donc sont amenés à durer un peu dans le temps. Je travaille beaucoup autour de l'ornement, du motif, et ma résidence mission ici sur le territoire m'a permis de collecter des motifs. J'ai fait aussi appel aux habitants pour proposer des motifs qu'ils ont pu collecter, prendre en photo, que ce soit des façades de bâtiments avec aussi des balcons en fer forgé. Et ces motifs-là, moi je les retransmets dans ma peinture en les mitissant aussi avec des motifs que j'ai pu tout au long de ma pratique en fait collecter comme un peu un vocabulaire de motifs. Donc j'ai réalisé des fresques à Toury, à Martigny-et-Ferchaux, à Retiers et ici à Bois-Trudan. J'en réalise encore cette année aussi à Couem, également à Arbrissel. Et puis il y a une installation qui sera faite, une œuvre flottante sur l'étang de Martigny-et-Ferchaux cette année. D'ailleurs c'est une œuvre qui va être exposée et qui sera réalisée en balle de ping-pong. Donc c'est une œuvre flottante qui va flotter grâce aux balles de ping-pong et qui va reprendre l'esthétique qui est celle que j'utilise moi aussi pour les fresques, c'est-à-dire beaucoup de motifs de l'ordre du végétal, pas mal aussi, et tout en ayant ces effets de symétrie qui se développent comme ça au sol et du coup pour le coup sur l'eau. Alors je m'appelle Joseph Bouet. Alors moi je suis né à Retiers, je suis un produit local, mais toute ma vie professionnelle s'est passée en région parisienne. On est en Bretagne, on est même aux portes de Bretagne, hein, puisque c'est ce qu'on appelle les portes de Bretagne. Alors les portes de Bretagne, c'était les protections avec les châteaux de Bretagne à l'époque de la duchesse Anne. Au sud-est de Rennes, tout le monde peut situer Rennes, c'est quand même une ville importante, au sud-est de Rennes et à 35 km sud-est de Rennes. Et la ville s'appelle Retiers. Retiers, qui vient de Rester et qui pourrait à un moment donné avoir une importance au niveau historique aussi, puisque un roi aurait habité Retiers. Le musée, si vous voulez, est lié à un peintre, hein, c'est le musée Édouard Maé. Édouard Maé qui était un peintre qui est né en 1905 et qui est décédé en 1992, et qui a beaucoup peint dans le secteur, j'allais dire des paysages du secteur et puis des natures mortes. Et puis je ferai un cas particulier en ce qui concerne les fleurs, les portraits, enfin les tableaux sur les fleurs qui sont des natures mortes aussi quelque part, mais je les mets à part quand même. «
dans la mesure où je vous parlais de cette fameuse maison à Édouard Maé qui va devenir propriété de la commune. Alors, si vous voulez, au niveau de la maison, il est vrai qu'il va falloir trouver des financements. Alors, c'est pas si simple que ça, surtout dans le contexte actuel. Alors, les financements, bien sûr, le premier, alors je dirais, il y a la commune. Après, on pourra aussi faire appel à la communauté de communes. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'au niveau de la région, il y a peut-être déjà des subventions envisageables. Et puis, après tout, il y a aussi la DRAC, le ministère de la Culture, qui pourrait peut-être être intéressé. Hein. Ce monument de la Rochauffée se situe entre Rethier et Essé. Hein, Rethier qui est une ville quand même de 4500 habitants, maintenant c'est quand même une ville qui prend de plus en plus importante. Ce monument date de la préhistoire, hein, au niveau néolithique, et compte tenu de l'importance du monument, on pense plutôt fin néolithique, ça veut dire qu'on va dire en gros 5500 ans. Alors c'est 3500 avant Jésus-Christ après, quoi, à peu près. Quoi. Donc, ça veut dire que là, on va remonter vraisemblablement à l'origine des habitants sur le secteur, quoi. Alors, donc là, nous sommes en présence de ce que les gens appellent un dolmen. Hein. Alors, un dolmen, vous savez ce que veut dire dolmen, c'est du breton, ça n'a rien à voir avec la terminologie que vous voyez au moment de la construction. Là, à peu près 5500 ans d'histoire. Hein. Dolmen, ça veut dire table en breton. Par contre, il y a une particularité au niveau de cette entrée, je ne sais pas si vous la voyez. Par rapport au reste, qu'on verra après, on va aller sur le côté. Mais ces pierres ne sont pas... Qu'est-ce que vous trouvez à ces pierres ? Elles sont taillées, non ? Elles sont taillées. Ça veut donc dire que c'est des pierres qui ont été travaillées à l'époque. On a voulu en fait faire une belle entrée. Ce monument est tellement important, j'allais dire, qu'il y a quand même en gros, disons, 50 000 personnes par an qui défilent ici. Et j'allais dire, dans ces 50 000 personnes, je vais dire que le monde entier a défilé ici. Alors le monde entier, je ne sais plus, le monde c'est 190 pays, je crois, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop, enfin un petit 200 on va dire. Alors je ne vais pas dire que les 200 sont venus, mais des gens, des personnes de tous les continents sont venus ici. Laurent Guerriec, responsable donc, du service tourisme à la Rochauffée Communauté. Donc je m'occupe... de la mise en place d'actions touristiques, d'animations, notamment sur le site de la Rochauffée, donc en partenariat avec une association qui s'appelle les Amis de la Rochauffée. On travaille aussi avec les professionnels du tourisme pour communiquer sur leur offre, donc à l'échelle du pays de la Rochauffée. Et puis on met en place des séjours pour les visiteurs pour qu'ils puissent découvrir le maximum de choses sur un week-end sur 2-3 jours pendant leur présence ici sur la Rochauffée. On a un réseau de producteurs locaux important sur le pays. Donc un peu tout type de produits, du pain qui est fabriqué artisanalement. Et on a également de la glace, donc avec des producteurs éleveurs de vaches ou de chèvres, donc sur Janzé ou sur Rethier. La bière Sainte-Colombe, c'est intéressant de le noter. Ouais. Donc, ce sont des brasseurs, des Hollandais qui se sont installés sur Sainte-Colombe, donc le nom du village, d'où le nom de la bière, qui est dans tous les bons bars rennais et qui est aussi très prisée donc, lors de manifestations XY autour de Rennes et qu'on retrouve ici donc, sur les mercredis de la Rochauffée. Et vous avez également le cidre de la vallée de la Seiche. Donc, ce qui est sur Janzé, qui est aussi très sympa, frais, c'est très rafraîchissant et très goûté. Toutes ces richesses, en fait, on les convie à un grand marché pendant l'été, lors des mercredis de la Rochauffée, où on a un marché gourmand qu'on propose donc, aux habitants, mais aussi aux touristes. C'est à chaque fois le dernier mercredi de juillet et les deux premiers d'août. Et donc ce marché est agrémenté donc, par des spectacles. On a des artistes qui viennent animer le lieu et on a jusqu'à 800-700 festivaliers qui viennent en soirée découvrir et se détendre ici à la Rochauffée. On a donc une application pour la découverte du dolmen, donc, qui
qui est indiqué ici, hein, vous avez donc l'application avec Mission Archéo, donc pour que les personnes puissent se plonger dans ce temps-là, de la préhistoire il y a 5000 ans. Donc c'est la Rechauffée, c'est téléchargeable donc sur Apple Store et Google Play. Les personnes tapent Rechauffée et accèdent directement à l'application.